Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre let's play numéro 28 de Borderlands 2. On est toujours au même point que la fin de l'épisode 27. Pour preuve, lui est toujours là. Et je voulais me prendre un petit peu de santé avant de repartir. Les munitions, tout est bon. Un véhicule et... Et bon, on va aller taper des gens. Parce que... parce que... Voilà, c'est tout. Ah, du slag. Hop là. Ok, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Ah si. Ah bah non, ça sent pas la rose, c'est du slag. Se diriger vers le pipeline principal. Non, ça va. Pour les chèvres. D'abord, la conduite a l'air fendue. Si tu fais trimper la pression, tu pourrais la faire péter en grand. Va à une station de pompage. C'est parti. Mordecai, je suis arrivé au poste d'Hyperion. Déjà ? Taper. Oh bah bravo, j'ai réussi à coincer mon véhicule quoi. C'est pas grave. Bravo Nouni, bravo, bravo. Ça s'applaudit à demain, un truc comme ça. C'est un exploit en soi. J'ai deux bestioles qui me suivent. En espérant que les grenades vont le calmer. Non. Bon, bah tant pis, je me retournerai, puis je tirerai dedans. Ah bah voilà. Ah, t'as eu peur, hein. Beaucoup de slack par ici, hein. Oh, je sens qu'ils vont me gonfler, eux. Oh la vache! Niveau très très haut, niveau 29. Bon, eh bien, je pense que là, Noni, il va devoir vraiment faire de l'XP parce que ça devient plus possible, quoi. Me taper contre du level 29. On va essayer de faire l'épisode. Mais marde! Sinon, eh bien, tout bêtement, on ira faire les quêtes annexes. Et puis, Oh la vache, ouais, 29 quoi. Bon, l'avantage, c'est que je risque de gagner très très vite de l'XP. Bon, je vais souvent mourir aussi, mais à part ça, c'est qu'une idée ça. Un nid. Ah oh, la vache, c'est quoi qui me pousse dans le dos? Je fais absolument pas de dégâts. On charge. Voilà. Dans ta face. Fais pareil aux deux autres stations de pompage pour faire monter la pression et fragiliser le pipeline. Ouais, mais non. Tu rentres dans les archives, trouve où le guerrier est enfoui. Ça va être impossible. Alors ce qu'on va faire les gens, c'est que à plat. Je rigole.
de chansas pour charger la clé de l'arche. Le guerrier sera debout en moins de 2. Eh bien, on va faire une légère pause. Parce que là, sinon, ça va être impossible. Je vais revenir au moins... 29, j'espère. 29-30, ça serait pas mal. Hop là. Alors, on va faire une petite ellipse comme si de rien il était. Et on se retrouve tout de suite après. Et voici. Donc, nous sommes revenus après pratiquement 8 heures de quête annexe. Ouais, donc je n'ai rien filmé parce que 8 heures, même accéléré en x4, ça vous fait 2 heures de moi qui court très très vite et qui ne parle pas. Donc, bon. Donc, je suis arrivé niveau 30. Vous avez pu avoir une vidéo hier en plus. Et maintenant, on va terminer. Hop là, chup. Hop, 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 hop. Donc j'ai récupéré plein de points. Bon, en attendant. Hop là. Pendant que Piège Meurt s'occupe de les points, enfin les jetons, 19 jetons. Ça va faire plaisir à certains. Alors, on va les attribuer assez vite. On va pas perdre trop de temps. Et sinon, bah, ça fait plaisir d'être monté aussi haut level en fait. Parce que déjà là, je vais pouvoir continuer sur ma lancée et continuer tout ça sans aucun problème. Alors, je sais absolument pas ce que je fais, mais je vais vous avouer que les 15 premiers, ils ont été faits un petit peu dans le vide. Dédié à coup critique, j'essaie de... Mais voilà. On arrive à combien? 56, 4. Ok. Alors j'ai aussi une quête avec... Ah oui, ça fait bizarre. D'habitude, je one-shot les persos. Je sais plus ce que je dois récupérer des scrags. Enfin bon. Alors, j'ai toujours un léger lance. J'ai récupéré cette arme là qui fait des tirs explosifs mais un petit peu lent. Traquer les... Oh, faut juste que j'en tue. Ok, j'ai récupéré ce mode de grenade là et le fusil de sniper que j'avais. Oui, là il y a un petit peu de monde ici. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis en plus bientôt niveau 31. Youpi. Ça, c'est un fusil de sniper qui parle en plus. Vous l'entendrez assez vite. C'est pas génial, génial. C'est très chiant en fait. Pour tout dire. Eh bien, quand faut y aller, faut y aller. Alors là, pour ceux qui se demandent, on arrive quand même vers la fin du jeu. Alors ce mode de grenade là est quand même vachement génial. Ça c'est un fusil d'assaut avec tir... avec des tirs explosifs. En bas vous avez un petit compte qui se charge, x2, x3... x4, c'est les bonus de premier tir. En fait, il va y avoir du dégât en plus pour les premiers mecs que je vais tirer, tout bêtement. Si j'attends, ils prennent un bonus avec x5, avec effet slag. Regardez, hop là, ils sont slagués, comme ça ils prennent beaucoup plus de dégâts pour la suite. Alors, un petit coup de lance-roquette. Qui fait toujours aussi mal. C'est toujours mon chouchou pour l'instant. Voilà.
Oh, je l'avais pas vu celui-là. Allez, 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 allez. Voilà. Fait faire ça. Et là, moi, j'étais de l'autre côté. Bon. Rechargement des armes. Oui, elle a trois mains. Ça va être marrant. Hop là, vite, 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 vite. Tout il est rechargé. J'ai tout rechargé. On remonte, on va saturer la troisième. Et on va tout faire péter. Allez, je dois avoir fait ça avant la fin de cet épisode-là. C'est quoi? Pourquoi il y a autant de scrag ici? Neuf sur 20, 10 sur 20. Bien, c'est pas grave. Hein. Oui. Je crois dans burnout. On va en éliminer un maximum. Ça fait toujours ça en plus en XP. J'en ai combien? 13, 14, 15, 16. Puis je récupère de l'argent aussi. Je crois que la quête est finie. Ok. Hop, récupérer de la vie. Et dernière. Hop, on y va comme un fou. Je suis un rebelle, c'est la dernière. Et voilà, je suis garé. Tout bien garé. Infiltré bizarrement, monsieur. Il y en a un là et pourquoi est-ce que j'ai pris du dégât? Enfin bon, dis bonjour. Bonjour. Bah dis bonjour. Qu'est-ce que je l'aime, ce lance-roquette. Alors, pendant que tout ça, ça se fait, les grenades vont s'en occuper. On va commencer à affaiblir les mecs. Oula. Ça mitraille de tous les côtés, là. J'ai plus l'habitude. Oula, attention, quelle idée. Non, c'est moi la nécromancienne. Oh merde. Merde alors. Hihi, dans ta gueule. Hop. Ni. C'est là-bas. Ça fait peur à quelqu'un d'autre? On a entendu le grondement jusqu'à Sanctuary. Tu peux accéder aux archives par le pipeline maintenant. Here we go! Cours, cocotte, cours! Transmix. Ouh, attention, et prochain ennemi, level up.
Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Et c'est surtout que là, il va y avoir des ennemis, hein, je suppose. Ah non, même pas pour chaîne ennemie. Mais enfin, il a fait un drôle de bruit dégueulasse quand il est mort. Voilà, par exemple, le bruit qu'elle fait. Ah, je déteste ces trucs-là. Je sais, je vous le répète à chaque fois, mais c'est parce qu'il y a une raison. Badam badam! Oh toi! Oh toi! Bon, on va s'attribuer le point après. La porte est juste là. Personne? Hein? 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 Ah, les Badlands. Toute mon enfance. Ou pas. Alors, le point, on a dit. Eh bien, ça. Hop là. Ouais! Et maintenant, si je tire avec une arme élémentale sur piège mort, il fait des dégâts de ce type. Niveau 28, tu fais quoi contre moi? Ah, mais c'est dégueulasse! Ouais, enfin déjà, on va déjà... Hop là. Alors, faire un petit peu de vide ici... Il y a un petit truc ici, c'est quoi? C'est le panneau de déprime... Ah bah oui! C'est le panneau de déprime du... Du Borderlands 1. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Oncle Teddy et apprendre à connaître Jack. Ok, mais il me semble qu'ici, il y a encore du monde. C'est porteur JNK. Surtout parce qu'il passe au travers de mes balles. Bon, on va terminer ça, fini. On va aller voir avant tout un ennemi qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'XP. Il faudrait que je fasse le plein d'armes. Il faudrait que je réussisse à rentrer là-dedans. Alors, on suit les câbles électriques. Qui reviennent là, là. Là, ils se divisent en 14 000. Bon. On y va au feeling, les gens. On recharge toutes les armes. En munitions. Pourquoi 96 seulement? Ah oui, c'est normal, c'est mon sniper. Mon gros fusil. Mon lance-roquette. Alors pour ceux qui connaissent pas cette partie-là, c'est l'une des premières vidéos que j'ai faites de Portal 2 qui se passe par ici. Et en fait, la vidéo, c'est comment gagner plus de 13 000 d'XP en moins de 4 minutes 30. Nous allons voir si je bats mon record cette fois-ci. J'aimerais bien, dans un sens. Parce que là-bas, il y a un truc sympa. Enfin, sympa. Pour l'XP, sympa. J'ai pas de temps à perdre, moi. On a qu'une vidéo à faire, monsieur.
Ah oui, c'est vrai, j'ai mon lance-roquette. Alors regardez bien ce qui va arriver. Ce gros truc là, là. Saturne. Saturne en rond. Et le but en fait c'est détruire les mini tourelles. Ou alors on va faire un truc plus. Oula, j'ai plus beaucoup de vie moi. Comment ça s'est fait ça? Alors, 4 minutes 30, hein. Quelqu'un avec le chronomètre? Oh, un petit slag. On recharge. Ah mais oui, j'ai lui aussi. Et puis j'ai ça. Oh. Ça c'est moins cool. Parce qu'il faut que je réussisse à abattre le gros boss. Oh merde. Je sais pas du tout comment je suis mort, j'ai perdu tout mon bouclier d'un coup. Et puis comme vous pouvez vous en douter, hein, il régène sa vie à chaque mort. C'est méchant. Bon, mais vu que j'ai aucune munition, on va aller refaire un plein de munitions. Après tout, je fais ce que je veux. Puis comme ça, il va se lamenter sur son sort. Oh mon dieu, j'ai tué quelqu'un. Enfin, on espère. Bon, c'était surtout les grenades. Hop là, toutes les armes sont chargées. Rechargées. Rechargées. Oula. On va faire comme d'habitude. On va l'affaiblir, on va le faire descendre. De là, il peut pas m'avoir. C'est ces mini fusées là qui sont chiantes. Et bah voilà. Oh là 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 là, mais c'est pas croyable ça! Comment est-ce que je fais pour être aussi nul? J'y suis pas les gens, j'y suis pas. Allez hop! On respire. On a des munitions. Puis l'autre il me farme quoi. À peine arrivé quoi. À peine arrivé, il y avait déjà des tirs. Oh mais ta gueule toi aussi. Bon, voilà, vas-y, descends. Tu vas déjà prendre ça. Ok, je comprends mieux. Les grenades aussi vont faire assez de mal. Pour l'instant, il est occupé sur mon robot. Ah c'est bon, c'est que mon robot qui les prend. Ah non, même pas, c'est les grenades. Et le truc bien, c'est que il nous donne beaucoup d'iridium.
Voilà. Who's the boss? Alors, un dernier. Surtout que j'en ai déjà plus de 60. Je crois, ou pas loin. Oui. J'en ai... Attends, 10. Ah bah non, c'est vrai, j'ai acheté des trucs. Et voilà, donc on va continuer. Et nous avons ici l'ascenseur pour pouvoir monter au niveau supérieur. Hop là. Bon, et bien, un petit point de sauvegarde. Ça a été une vidéo un petit peu plus courte. Enfin, pour vous. Parce que pour moi, elle a duré quand même vachement longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager. Et on se retrouve tout de suite pour le prochain épisode. Et on va partir à... Attendez, on va partir à là. De là. À tout de suite.